Un avion militaire israélien et quatre missiles ont été abattus par les forces de défense aérienne syrienne au sud-ouest du pays, selon un rapport de l'agence de presse russe RIA, qui a cité des sources militaires syriennes. Mais Israël a fermement contesté ces affirmations, les qualifiant de bidons. Et la cible présumée des frappes israéliennes se situerait au sud de Damas, où se trouve un centre important de communication et de logistique du Hezbollah, soutenu par l'Iran. Et pour Israël, ce groupe militant constitue une menace croissante, et l'État hébreu n'a pas cessé d'attaquer la faction au cours des 7 ans de guerre civile en Syrie.